Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'un colis. D'un colis que j'ai reçu hier. Donc je vous la fais maintenant parce que hier j'ai pas eu trop le temps, j'étais trop fatiguée. Donc c'est un colis qui vient de chez Biss, donc un colis de maquillage. Donc je vais vous en parler ça de suite. Donc alors dans ce colis, on a deux packs de masques pour les lèvres. Je vais vous montrer comment il est. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous en avez deux bien sûr. Donc voilà. Bon, c'est gros quand même hein, comparé à nos lèvres. C'est super gros. Voilà. Donc ça, je les ai payés 1,90€. Donc c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai pris aussi, c'est pareil hein, deux packs de masques pour les yeux, 1,90€ aussi. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, donc c'est, ils sont deux aussi hein, deux packs. Voilà. Donc pour 1,90€, franchement, je sais pas cher puisque normalement vous en avez qu'un pour un pack pour dans les 3 à 4 euros. Donc ça dépend où vous les prenez, mais là 1,90€ les deux, franchement. Oups, moi je dis que c'est pas cher. Ensuite j'ai flashé sur ça. Donc en gros c'est en un collier bien sûr. Si j'arrive à montrer. Bon, donc sans un collier, vous avez trois paliers. Donc en fait, c'est pas 4 euros. Hein. Évidemment, c'est à 3 euros et non 4 euros. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont mis à 4 euros là, qu'en fait, non, je l'ai payé 3 euros. Donc il y a une fleur avec un faux diamant, une croix et un cœur. Bon, pour 3 euros, franchement, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris ça. Face Mist réhydratation, donc réhydratation, brume visage hydrate et rafraîchit. Donc ça, l'eau de rose et extrait de camomille pour les peaux sensibles et peaux sèches. Donc ça, je l'avais acheté. Je vais vous dire ça. 1,50€. Donc vous voyez, c'est 1,50€ pour les 150 ml. Moi, je dis franchement, c'est pas cher du tout. Ensuite, il y a le fond de teint mat. Hop là, si je vous le montre à l'envers, autant pour moi. Hypoallergénique, le fond de teint. Et je l'ai acheté 7,90€, pardon. Et franchement, 7,90€, il est comme ça. Vous voyez. Donc pour 7,90€, franchement. Oh, j'en ai encore mis un peu trop beaucoup. Un peu trop beaucoup, c'est français. J'en ai mis beaucoup sur moi. Je vais vous montrer comment il fait. Franchement, il recouvre. Enfin, perso, enfin, sans mettre beaucoup, hein, parce que quand j'ai appuyé, ça s'est mis beaucoup. Donc, bon, pas grave. Je me nettoierai les mains après. Donc, voilà. Quand vous l'étalez, ça fait ça. Bon, le noir, ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est mon mascara tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc, voilà. Franchement, il est comme ça. Alors, ma peau, normalement, elle est comme ça. Vous voyez la différence? Voilà, normalement, ma peau est comme ça. Et là, avec le fond de teint, ça fait ça. Donc, pour 7,90€, franchement, je trouve que c'est bon. Bon prix, parce que moi, normalement, sans vous mentir, j'achète mon fond de teint. Normalement, j'achète à Yves Rocher. Je le paye 25€. Il est super cher, car c'est un petit comme ça aussi. Donc, là, pour 7,90€, franchement, c'est pas cher du tout. Ensuite, il y a l'huile pour les lèvres. Celui-là, je l'ai acheté 4,50€. Donc, il est comme ça. Et il a la pêche. Ils sont trop bons, la pêche. Donc, 4,50€. Pas cher. Sur le site, il y avait un produit acheté comme ça et l'autre, il était offert. Donc, j'ai pris celui-là. Ils m'ont offert. Normalement, il était à 3,90€. Oui. Non. Si, 3,90€, j'ai que des bêtises. Donc lui il était à 3,90€, lui 4,50€. Donc du coup en fait ils m'ont compté que celui-là. Et celui-là, ils m'ont pas compté.
Je vais vous montrer du coup. C'est à la pêche aussi. Normalement, si vous aurez dû voir mes autres vidéos, j'avais déjà commandé deux à la pêche aussi, comme ça. Ils sont super bons, la pêche. Donc, ouais, ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer. Voilà, il fait ça. Donc, après, bien estompé. Et quand on estompe super bien, voilà, c'est plus irisant en fait. Donc 3,90. Ensuite, celui-là, je croyais que c'était genre en pot en fait, vous voyez. Mais en fait, non, c'est un petit tube comme ça, je me suis fait avoir. C'est une crème illuminateur, mais bon, pour le prix, 1€, donc ça va. Mais je crois que c'était en pot en fait, mais non. Donc. Ah bah celui-là, j'ai oublié de l'enlever, vous voyez. En fait, j'ai enlevé sur tous les papiers parce que pour perdre moins de temps. Mais je me suis fait avoir toute seule parce que j'ai oublié d'enlever un papier. Comme d'habitude, je me fais. Oh, vachement. Je me fais toujours avoir. Donc, on va voir comment il fait. Il a l'air super pailleté. Bah, c'est normal en même temps. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous voyez là. Super pailleté. Donc pour 1€, franchement, ça va, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris ce pinceau là, donc pinceau correcteur. Il est super doux. Et il fait, ce pinceau là, il fait 3,50. Bon, on va dire ça va pour le prix, hein, 3,50. Il est super doux pour correcteur. Mais je crois que je vais prendre les autres gammes, plus les moyennes, les grosses. Ensuite, j'ai pris ce fard à paupières. Donc, fard à paupières waterproof et hypoallergénique aussi. Il est comme ça. Donc, il est en fait, genre, ils disent qu'il est en mousse. Mais je sais pas. Il est, enfin, il est un peu bizarre parce que, genre, c'est vrai, il est en mousse, mais à la fois, on dirait qu'il est sablé en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et il fait ça. Je sais pas. Non, là, vous voyez, il est super discret en fait, il se voit pas. Et je l'ai payé 4,50€, petit pot comme ça, 4,50€, mais ça va, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je t'en regardais un truc en fait en dessous parce qu'on m'a parlé que en tous les maquillages, en fait, vous avez un style de ça. Ouais, vous voyez pas bien. Bref, c'est un truc comme ça en fait. Et genre dessus c'est marqué 12M ou 2M. Mais en fait, ça veut dire bah, tu peux l'utiliser doucement quoi. Donc c'est pour ça. Alors celui-là, c'est la base pour les yeux. Donc la base de la paupière. Hypoallergénique, je l'ai pris. Et celui-là, IB. N'importe quoi. Oh, je vous dis des bêtises. Base illuminateur, est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc il fait 4,90 celui-là. Donc il est pareil en fait, hein, il est en mousse. Il se voit pas du tout. C'est une base en fait, vous voyez. Il se voit pas du tout. Donc c'est ça qui est bien en fait. C'est que ça se voit pas du tout. Du tout, du tout. Ensuite, ça, c'est un baume à lèvres hypoallergénique aussi. Donc le baume à lèvres, j'ai payé 3,90€. Bon, hop. Alors voilà, vous montez de là. Et... je vais tester et il se voit pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc pour 3,90€ et que c'est un grand comme ça, ça va, ça vaut le coup aussi. Ensuite, celui-là, c'est le, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, une base hypoallergénique liquide. Par contre, celui-là, donc c'est une base pour les yeux, je crois. Oui, base hypoallergénique sous fard à paupières. Donc celui-là, il faisait 4,50€. J'ai essayé de l'ouvrir parce que ça aussi j'ai oublié de l'ouvrir. Donc 4,50€, c'est pas cher. En fait, je voulais tester la crème et je voulais tester la mousse en fait en base pour voir l'effet en fait. Et celui-là, c'est pour peau sensible. Donc franchement, peau sensible, c'est mieux. Parce que déjà, quand on a les paupières qui sont fragiles, donc ne pas non plus davantage les abîmer encore plus. Donc, vous l'ouvrez. Ah,
Ah, celui-là, c'est 12 mois aussi. Donc, vous l'ouvrez. Voilà. Non, ça se présente au fond comme ça. Oh, la texture de la crème. Bon, voilà. Il se voit pas du tout. Mais bon, j'aime pas trop la texture de la crème, en fait. À voir après avec le temps. Donc, oui, celui-là, c'était 4,50. Ouh, je pars en mibrine. Ensuite, il y a ce crayon pour les yeux de la gamme LOL. Parce que sur le site, vous avez BIS, vous avez LOL et vous avez le truc pour l'argénique en fait. Et ce crayon pour les yeux, je l'ai payé 1€. Voilà, vous voyez, il monte comme ça. C'est pratique comme ça. Fini avec l'état crayon horrible. L'état crayon à chaque fois, genre tu tailles, genre ça se casse dedans. C'est, j'en ai marre. Ensuite, un bronzer de la gamme de LOL. Le bronzer, je l'ai payé 1€. Donc voilà, c'est souvent comme ça. En fait. Oh, je vois flou. Et je vais vous montrer. Donc voilà. Vous voyez, il fait cette couleur là. Donc pour 1€ aussi, c'est pas mal. Parce que j'en avais pas des bronzers. Donc ceux qui me connaissent, ben. Vous savez que j'ai pas beaucoup de. Comment ça s'appelle? J'ai pas beaucoup de maquillage. Donc du coup, bah là, je suis en train de refaire tout mon maquillage. Donc voilà. Alors ça, c'est la Face Powered. De Medjom. Et celui-là, je l'ai payé 1,50€. C'est ça, 1,50€. Oui, 1,50€. Donc ça se présente comme ça, bien sûr. Et je vais tester. Oh, il se voit pas du tout en fait. Il est bien à ma peau. Donc pour 1,50€, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris ça. C'est ce que j'ai tellement pris de choses. Base fixante pour les lèvres. Voilà, ça c'est la base pour les lèvres. J'ai payé 3,90€. Un petit truc comme ça. Voilà, 3,90€ pour un petit truc comme ça. Donc certes c'est un peu cher. Mais bon voilà, il est comme ça. Et il fait... je sais pas si vous allez me voir. C'est la galère, voilà, il est là. Voilà, comme ça. Bon. Je vais voir, je vais tester. Par contre, je... testerai avec vous tous les commandes que j'avais fait chez Ibis, tous les maquillages. Je vais tester avec vous ce que ça fait sur moi et je vous dirai. Enfin, je vous dirai, c'est normal parce que je serai en cam avec vous. Ensuite, ça c'est le mascara hypoallergénique. En fait, même la base aussi hypoallergénique. Hein. Vous voyez, maintenant je prends tout hypoallergénique parce que c'est chiant en fait. Et le mascara, j'ai payé 4,90€, donc il est gros comme ça. Voilà, il est comme ça en fait. Bon, il est petit, hein, enfin le pinceau, enfin moi je dis ça pinceau, mais il est petit en fait. Mais bon, c'est ça en fait qui fait super gros en fait, c'est le bouchon. Donc pour 4,90€, ça va parce que à Yves Rocher, je les paye toujours dans les 6-7€. C'est encore plus cher Yves Rocher en fait. Pour ça en fait, c'est un site qui est super, enfin... qui est super mais qui est pas cher du tout en fait. Et ben, les maquillages c'est de la bonne qualité. C'est non testé sur les animaux par contre. Donc c'est bien de savoir. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors ensuite j'ai le gel anti-cellulite. Celui-là je l'ai payé 3,90€. Il est grand quand même. 3,90€. Il est au thé rouge et raisin. Ils sont super bons en plus. Et par contre, alors pour ça, je vais m'en servir avec vous dans une prochaine vidéo. Parce que je ferai une vidéo anti-cellulite. Parce que là, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour justement la cellulite. Donc je vous montrerai en vidéo si ça marche vraiment. Voilà. Donc 3,90€. Et ensuite, donc là, c'est fini ce que j'ai acheté. Mais là, maintenant, on va passer au cadeau que Ibis m'a offert. Donc alors là, c'est... un rouge à lèvres. Ah, je te vois bien.
un rouge à lèvres, comme ça, de la gamme Bis. Ça y est, bon. Vous avez l'habitude à chaque fois, quand je vous ouvre le colis de Bis, il m'envoie toujours un. Voilà, il est comme ça, il est rouge. Il m'envoie toujours des cadeaux. Donc là, ben, il m'a envoyé trois cadeaux. Donc le rouge à lèvres, la trousse Bis, vous allez dire, encore elle a une trousse, oui. Alors j'en avais une petite qui est en cette matière-là en cuir. Après, il m'a envoyé une format qui est comme celle-là, mais en simili-cuir, un truc comme ça. Et celle-là, qui est comme ça en fait. Voilà. En cadeau. Et ils m'ont offert aussi, je ne sais pas pourquoi, des bébés lingettes en cadeau, comme d'habitude. Donc voilà, des lingettes bébés, c'est la marque Bioface. Donc apparemment, bah, Bioface. Ah, c'est l'aloe vera et camomille. Oh, tiens. Et apparemment, Bioface, ça serait de la pharmacie. Une marque de pharmacie. Donc, c'est ma mère qui m'avait dit ça. Bon, donc je ne savais pas du tout. Ma mère, elle m'a appris ça hier. Donc, voilà. La vidéo se termine là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des likes. Partagez pour que tout le monde voie cette vidéo et pour que tout le monde puisse connaître ce site, parce que franchement ce site il est super au top, super au top, je sais pas, mais bon, il est super, il est top en tout cas, ça c'est sûr. C'est garantie, n'importe quoi, c'est comment dire, sécurisé, ça je cherche un mot en fait. Le site est sécurisé, donc ne vous inquiétez pas. Et franchement, je vous mettrai le lien du site en bas de la vidéo. Et voilà. Bon les amis, passez une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.